Salutations, petit capitaine et grands amiraux. Alors, dans cette vidéo double, on va se faire un peu plaisir. On va regarder deux batailles spatiales telles qu'elles se déroulaient en fait pendant les fameuses 24 jours, ou 24, ouais, c'est 24 jours de la du 1er avril, 24 jours du 1er, du 1er en fait, du poisson d'avril, donc où ils ont mis en place les batailles spatiales. Alors, il y aura Japelou dans un galaxie pour commencer. On regarde un petit peu, bon, on peut pas trop savoir comment vont se débrouiller les navires. C'était un peu des batailles aléatoires dans le sens vraiment pur du terme. Le pari, ce sont des. C'était, en tout cas, parce que je pense quand la vidéo est mise en ligne, je pense que ce sera terminé. Le pari, c'était des Républiques. Au Destroyer, c'est un Grauxer Kurfürst. Les galaxies, ce sont des moines. Zaya. C'est, je crois, je suis pas sûr, je crois que c'est un Zao. Norma, c'est Minotaur. Blue Aster, je crois que c'est un. Je sais pas par contre, au niveau des destroyers, je sais plus ce qu'il représente. Mais bon, il y avait un côté intéressant dans les batailles spatiales cette fois. C'était pas le côté aléatoire là qu'on voit là, avec l'épicentre. C'était pas non plus au rythme des torpilles, mais c'était ce qu'ils avaient mis au milieu. Pas longtemps, ils ont mis une comment s'appelle une mise une bat des bat type de bataille qui s'appelle attaque-défense, qui était très très bien. Et franchement, je verrais bien en JCJ, je serais plus dans le dans ce genre de bataille en fait. J'aimerais bien qu'ils mettent plus de bataille de type de bataille de style, parce qu'au moins en JCJ on s'amuse donc avec attaque-défense. Mais là c'est pas attaque-défense, c'est épicentre, donc c'est donc une bataille pure. Alors épicentre, bah, je crois il rétrécit au fur et à mesure. Au bout d'un moment, il va rétrécir. Mais je ne suis pas trop sûr, je me souviens plus très bien. Donc on va regarder. J'ai juste joué à attaque défense, moi j'ai pas joué à cet épicentre. Donc on va voir. Donc c'était très intéressant, c'était mignon et c'était plus réussi que l'année dernière en tout cas. L'année dernière, ça avait duré un mois, ça avait été horrible. Je trouvais ça vraiment ridicule, mais là cette fois ils ont, si je sais pas, il y avait quelque chose de plus au niveau des camouflages. J'ai bien aimé. Et surtout, on voyait la mer. Ah voilà, c'est ça. L'année dernière, on voyait pas la mer. C'était totalement transparent. Donc, pour viser, c'était l'horreur. C'est-à-dire, sur un navire, c'était horrible. Alors que là, c'est une mer. Ils ont fait ça sur une planète où, bon, ben, au moins, il y a la mer. Et donc, on peut voir sur un plat, un plan, en fait, un plan 2D, comme ça, on peut voir au moins où on envoie ses obus, quoi. C'était bien réussi. Et puis, les décors sont magnifiques, il faut bien le dire. Voilà. Faut bien avouer que là, ils sont mieux réussis que l'année dernière. Ils ont appris de leurs erreurs et surtout, ben, il y a des petits trucs en plus qui volent dans tous les sens. Ça permettait aussi de prendre en main le Minotaur, par exemple, enfin les navires grandis que vous connaissiez pas très bien, que vous vouliez pas trop jouer parce que c'était petit bras, et ça vous permettait donc de prendre les navires grandis en main, et essayer de les jouer de façon comme dans une bataille normale. Bon, alors voyons un petit peu comment ça se passe. Alors j'aimais bien aussi le bruit des canons. Ils ont changé les bruits des canons, font des jolis bruits. Les piou-piou. Voilà. Les piou-piou qui, malgré tout, ont un joli bruit, j'aime bien moi. Voilà, c'est des moines de base, hein. Pas trop en demander. Les musiques aussi étaient pas trop mal, hein. Il y avait un petit truc. Un galaxie qui arrive là. Oui, si en plus il traverse, là il faut essayer de l'avoir en. Perforant peut-être. Oui, on voit bien un espèce de. Alors les. Ouais, c'est ça, c'est les. Les perforants sont en vert comme ça et les explosifs sont en orange. Alors Azaya là-bas. Moi j'ai appris à jouer un peu le Minotaur grâce à ça, grâce à ces petites batailles comme ça, c'est sympa. Ça n'a pas beaucoup d'importance si vous perdez, donc au niveau de vos statistiques, ça reflète rien. Ça reflétait rien en tout cas. Donc vous pouvez apprendre à jouer les Randis. Même si les navires ils sont en 7 là. Parce que ils avaient expliqué que la maintenance et l'argent gagné et perdu. Ils préféraient que les gens ne perdent pas trop d'argent. Donc ils ont tout mis descendu en rang 7. Mais sinon au niveau de la. Au niveau des dégâts et des points de structure, etc. Tout ça c'est du Randis. Hein. Donc Japlou est un des membres de la DML. Pour l'instant, un navire de chaque côté est détruit.
All Destroyer, c'est-à-dire quelqu'un qui avait eu des All Destroyer, il n'y a que 4 navires de base, pour avoir tous les navires, il fallait faire pas mal de batailles, réussir pas mal de victoires surtout. Ah, boum, le Zaya a détruit le Blue Star. Joli. Bon, mais il va finir le Zaya, je pense, à mon avis. Ouais, c'est bon, kaboum. Donc franchement c'était sympa au niveau surtout du... Oula, le destroyer se prend des torpilles. C'est sympa vraiment pour apprendre à gérer les navires. Au rang 10. Bonne école, hein. Bonne école, c'était pas mal fait pour ça. Donc là il s'en prend à ce pauvre Galaxy. Oh joli, une petite citadelle. Ah, par contre il tourne mon ami, hein, donc... Soit tu reprends... Ah bah il s'est... Ah d'accord, bon bah écoute. Il s'est pris les pieds dans la roche. Dommage pour lui. Là, je pense qu'il faut repartir en explosif là. Et tu vas plus rien faire avec tes pas trop en tout cas, beaucoup moins qu'avec les explosifs. Donc moi je conseille de repartir en explosif. 4 partout. Ah, ça arrive. Ouais, non, en explosif là. Hein. Ah, il va rentrer dans le. Oui, d'accord. Bon bah voilà. Boum. Mais le destroyer n'est pas détruit. Il ne coule pas s'il a encore ses réparations. Non, il coule. Faut toujours garder une réparation quand on est trop. Enfin, faut vraiment pas faire gaffe quand on est à côté de navires ennemis. Ouh, le Paris là-bas qui recule. Voilà, putain de destroyer. 6 partout. Blue Aster. Enfin, c'est ceux qui se posent des questions sur les batailles spatiales. Voilà comment ça se passait. La première, ça change rien par rapport à bataille aléatoire, c'est juste que il y a un élément de décor en plus un peu exotique, quoi, c'est tout. Que vous pouvez y retirer d'ailleurs, hein, si vous n'avez pas envie de le voir. Oh, joli. Dommage, il s'est pris les pieds dans les cristaux là. Alors c'est marrant, il a pas de radar. Normalement, le Galaxy a un radar, mais il a préféré prendre l'avion. Il reste immobile là-bas, c'est bizarre. Galaxy a détruit le Flyfire. Donc on en est à 5 partout. Donc c'était des batailles qui étaient assez rapides à la base. Parce que tout le monde y allait YOLO et Franco quoi. Ils prenaient le plaisir vraiment à jouer, c'était assez marrant. C'était beaucoup moins âpre et beaucoup moins insultant dans les batailles. Les gens étaient plus là pour se marrer plus qu'autre chose. Alors que sur les batailles normales, entre guillemets. Il y a quand même pas mal de gens qui se prennent au sérieux, donc bon là le Paris va être pris entre deux feux ou pas? Non, on dirait pas. Et ils ont quand même le truc central. Ah, le truc central comment c'est capturé par l'équipe amie. Où sont les autres navires? On en voit 2-3, ils sont très loin en fait à l'est. Ils reviennent quand même hein. Ils sont totalement à l'est et le Paris est isolé en fait. Donc faut totalement se concentrer sur lui. Non, c'est pas possible, il y a une petite montagne, mon ami. Petite montagne va t'empêcher de tirer. Bon, si Japelou, hein. Alors Japelou, je sais pas pourquoi il s'appelle Japelou. Parce que le loup Jap, peut-être. Et ben voilà. Il reste sur ses binoculaires, j'aime pas trop ça, mais bon, pas grave. Je regarde un peu comment ça tire. Ah bah regardez, là, regardez bien. Et hop là. Ah oui, c'est moi qui tourne, c'est vrai, c'est quand il y a des. Ah bah voilà maintenant on y va au perforant, c'est de flanc là, il n'y a pas de problème, c'est super efficace normalement. 2000. Oula, il est en train de brûler en plus. Ah oui, bah alors là, si en plus tu lui infliges des dégâts de côté, c'est bon. Donc là pour l'instant l'équipe amie prend le contrôle. On se sent un peu moins. Oui, c'est ça, on se sent un peu moins investi, on y va plus, comme je disais, franco, parce que c'est très sympa. C'est amusant en fait. Et l'apprentissage des navires rang 10 c'est quand même très intéressant aussi à ce niveau-là. Puis si vous aimez bien un peu l'exotisme, puis changer un petit peu, c'était pas mal. Il y avait quand même une certaine. Bon, c'était ridicule de la mettre pendant 24 jours,
Mais moi j'attendais, franchement, si t'avais eu que les batailles comme ça aléatoires, j'aurais pas joué longtemps. Mais il y avait les batailles attaque-défense et ça j'ai pas mal joué. Donc c'était sympa. Galaxie en vue. Bon, pour l'instant il se cache. Il est en train de gagner en fait, hein, quelque part. Stratégiquement, il gagne. Parce qu'ils ont arrêté, le compte à rebours s'est arrêté à cause du point central. Voilà, Galaxy là-bas. Allez, c'est parti. Ah, il a ralenti par contre. C'est marrant parce qu'il a ajusté son tir, mais il a ralenti. C'est bon. En plus, il a. Ouh là, il y a le Norma qui lui tire dessus, donc ça va. Oh, joli. Ah, super, une citadelle alors qu'il était de pratiquement de 3 quarts, c'est juste pas mal. Point central est à eux, donc ils gagnent des points normalement, pas sûr. Pour l'instant, ils sont gagnants, ils sont pas gagnants parce que il faut vraiment avoir les. Oh, deux! Waouh! Puis un destroyer à 18 km, un autre destroyer, pas un destroyer. C'est le moment où jamais de repasser en. Ah, quoique, non, il va s'il tourne. C'est un bon moment de. Il a des réparations encore, voilà. Il garde les réparations pendant les incendies, c'est pas mal. Faut vraiment qu'ils se débarrassent du Galaxy, c'est bon. S'ils arrivent à se débarrasser des Galaxies, ils ont un avantage tactique immense. Oh! Superbe! Comment il a pu faire une citadelle, je sais pas, comme ça de 3 quarts, c'est étonnant. Ah, l'autre il joue bien son navire par contre aussi. Hein. J'avance, je recule, je fais attention à ma vitesse. Non, super, super bon. Ah, là. Un petit coup de côté là. Attention, attention. Il a vraiment bien fait de rester sur son la proue en avant quoi. L'autre, bah oui, il va bientôt mourir là je pense, 894. Alors ce qui est bien c'est qu'en fait vous n'avez pas d'avantage de consommables aussi. Vous pouvez pas prendre des consommables grade 2 là-dessus, c'était consommable, tout le monde a des consommables grade 1 puis point terminé. Galaxie là-bas. Bah, ils ont remonté les points. Voilà, sous la centrale les prix donc ils prennent. Des points, 152 000 points de dégâts. Belle partie, hein, c'est qui dure longtemps en plus. Hein. Je pensais pas qu'elle durerait aussi longtemps. Généralement, les parties duraient 8-10 minutes. Là, on en est à bientôt 14 minutes. 13 minutes, pardon. Un Norma à surprendre sur le côté, là, si possible. Se trouve, il n'y a pas de possibilité d'avoir de radar dans cette partie en fait. Je me souviens maintenant, il n'y avait pas de radar en fait. Quand les parties étaient lancées, il n'y avait pas de radar en fait. Le chasseur qui fait un bruit de comment on appelle de moteur antigravitationnel quoi, c'est marrant. Oh, le pari c'est mal. Le pari c'est très mal, mais ça va. On dirait qu'il y a un Eagle qui passe là, regardez. On dirait un Eagle de Cosmos 99. Oula, le Norma est en train d'éradiquer le Paris et le Destroyer aussi, bah voilà. C'est le moment ou jamais de se débarquer là hein. Et de détruire le Norma qui est en mauvaise posture logiquement. Voilà. On va détruire le Norma. Oh, joli, superbe sur l'arrière. Deux citadelles par l'arrière, bravo. Là par contre sur le All Destroyer, je sais pas si il est. Ouais, 18 km en plus, bon. Ouais, il est mal le All Destroyer quand même aussi. Il y a un autre Paris là-bas qui est contre lui. Ouais, et puis en plus, Japelou est en train de capturer la base extérieure. L'All Destroyer terminé par le Paris, bravo. Il reste plus qu'un Galaxy. 3 contre 1. Bah, c'est bon, ils ont gagné, hein, logiquement. 6 minutes de la fin, ouais, ils sont passés à 700, c'est bon. Il n'y a plus rien à faire. Capturé en plus, eh ben. Ah, c'est bien, c'est la voix. La victoire est à notre portée, mais avec un peu modifiée. C'est amusant. Ah, par contre, le Paris se fait allumer par le Galaxy. Il y a la possibilité que, quand même, le Galaxy fasse ses œuvres. Après ce qu'il la mette.
L'équipe ennemie a commencé la capture du secteur extérieur. Ah oui, bah oui, il est passé sur le serveur extérieur, mais par contre, les deux croiseurs, lui, la face, celui de Japlou et celui du monsieur qui est là, le normal, là. Bon, ils vont prendre le Galaxy en sandwich, je pense, à mon avis. Avec le Paris. Oh, le Paris se fait exploser quand même. Joliment bien joué de la part du Galaxy ennemi. Par contre, là, au niveau des points, c'est même pas la peine. Donc, il fasse super gaffe en fait au Galaxy ennemi. Bon, c'est du vert partout là. Allez, capture de la deuxième zone, c'est parti. Bon, Norma plus Galaxy sur un Galaxy qui reste qui était à moitié. Ah, il a commencé à capturer du point intermédiaire, mais c'est pas grave. Donc, il est juste derrière l'île. Il doit être en F4 ou en G4. En tout cas, intermédiaire par là-bas. Ouais. Franchement, c'était assez amusant. J'ai bien aimé, moi. J'ai bien aimé la manière dont ils l'ont fait cette fois. J'ai bien aimé cette fois la manière dont ils l'ont fait. Mais comme je disais, c'est plutôt attaque-défense qui me plaisait. On va voir. Norma prend l'autre côté pour le prendre en sandwich. Ah, il est au milieu. Ah, le salaud. C'est pour ça que le Norma a pris au milieu en fait. À 4 minutes, il peut pas vraiment gagner, mais à 2 contre 1 avec un. Ah bah voilà, 8 km. Bah, il va falloir l'allumer alors. Ouais, le Norma va le finir, je pense, à mon avis. Grande chance que le normal qu'il finisse, mais bon, avec un peu de chance aussi, il peut l'avoir. Et hop, non, encore un petit peu plus. Ouais, j'aurais plutôt utilisé de l'explosif, mais bon, chacun ses goûts. Voilà, allez, encore un petit obus, et on est bon. Voilà, terminé. Bon voilà, donc vous avez pu voir un peu ce que c'était une bataille normale, aléatoire, en combat spatial. On va passer maintenant sur une autre bataille. Eh bien, mes petits amis, petits capitaines, petits grands amiraux spatiaux, ici StarCat à nouveau, et nous nous retrouvons sur une bataille spatiale, et cette fois, c'est une bataille qui attaque-défense. Je voulais à tout prix vous montrer à quoi ça ressemblait, donc cette fois, je joue rien du tout, hein. Salutations, petits capitaines amiraux, et bien maintenant, nous sommes sur une fameuse bataille attaque et défense avec Missa Vianda, Celticos et Emery qui sont en division, et nous voyons donc Missa Vianda qui est joué sur All Destroyer. Donc je rappelle que c'est le grosseur Kurfürst, mais avec des petits obus coquinous spatiaux, n'est-ce pas? Des petites chouquettes spatiales. Et donc il est en attaque-défense, et donc il est en défense, là. Alors vous pouvez voir, les forces défense sont juste derrière, il y a une station spatiale à défendre, celle-là. Et la station spatiale, son bouclier, en tout cas sa protection, est donnée par 4 générateurs. Des 4 générateurs qui vont apparaître, il y en a un juste là... ici, générateur C, oui, générateur A, et là, générateur D et générateur B. Ces 4 générateurs sont derrière des îles, et il faut que les ennemis passent derrière, fassent un grand tour pour essayer de les avoir. Donc il faut. Alors les défenseurs régénèrent leurs dégâts,
Et les attaquants, mais ils sont détruits, s'ils sont détruits, ils sortent de la partie. Par contre, si les attaquants sont détruits, ils peuvent réapparaître sur la carte. Donc ils ont un avantage, les attaquants. Donc, parce qu'au fur et à mesure, les défenseurs se font détruire. Les attaquants, eux, reviennent un peu loin, mais ils reviennent quand même. Donc il y a toujours un peu de chance que ça puisse marcher, même si vous faites détruire. Donc, par contre, la défense, donc, bah, il faut rester bien, bien soudés ensemble et puis essayer d'arrêter les attaquants le plus vite possible et les détruire le plus rapidement possible, surtout pour les faire régénérer, pour les faire respawn très loin et comme ça, être tranquille. Alors, il y a un vecteur d'attaque milieu qui est vraiment suicidaire pour les attaquants, mais s'ils sont bien soudés ensemble par le milieu, ça peut réussir. Mais bon, c'est quand même le vecteur d'attaque, je pense, c'est plutôt s'il faut se. Il faut se rassembler soit au sud, soit au nord, et attaquer en masse en fait. Parce que le défenseur va être obligé, lui, sachant pas par où vous attaquez, il va être obligé de se diviser en deux, au moins. Donc notre ami Missa Vianda joue un de mes navires préférés, le Grosser Kurfürst. Qui s'appelle un Grosser. Enfin qui s'appelle le Old Destroyer. Donc ils sortent, je suis pas sûr si ce soit vraiment vraiment indiqué, mais bon. Après, chacun fait ce qu'il veut. Norman Emmerich, lui, a commencé déjà à faire son cacou avec le Norma, qui je rappelle. Le Minotaur, comme vous pouvez le voir. Ah, le bruit du tir du Old Destroyer est assez marrant. Oh, joli, une petite citadelle sur l'Aurora. Alors, vous avez vu là, le boost a été mis en place. Hein. Il y a 4 boosts qui ont été mis en place pour la défense. Donc, la régénération de coque. Oula! Emery se fait allumer là. Ouais, 15 km. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée, mais bon. Boum. Il ferait mieux de repartir en arrière là pour Emmerich. Ouais, c'est quand même bien joué. Hein. Il a perdu un des paris, c'est dommage. Le destroyer en face. Ouais, 7000 points. L'ennemi semble se concentrer par le milieu, donc c'est assez suicidaire. Le Galaxy Carré, vous voyez, à 6 km 4 là, c'est très suicidaire. Mais il peut réussir à détruire un générateur assez rapidement, vu son cadence de tir. Donc faut le détruire rapidement, la galaxie. Dès qu'il sort, là, il faut le détruire. Voilà, 8180. Attention, parce que les obus du galaxie sont assez mortels aussi, même contre le flanc d'un cuirassé. Bon, là, il va avoir mal quand même, je pense. Je pense qu'il va essayer d'avoir le générateur, mais il est bien caché le générateur, c'est ça le problème. Et là, il a fait un peu le cacou là, le Galaxy. Voilà. Alors le Galaxy, il va prendre 30 secondes, il va rester. Le Galaxy va rester sans rien faire, puis il va réapparaître sur la carte quelque part. On va voir, c'est une espèce de colonne de lumière qui va s'élever. Vous allez voir. Attention. 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 La musique est vraiment sympa, franchement, j'ai fait un boulot de fou quoi. Alors, la colonne, ça se trouve, on la verra pas parce que si c'est possible. Ah, si, on la voit, c'est pouf! Et il a réapparu quelque part entre A7, B7 et un peu plus bas aussi en I7, J7. Norma détruit le Flyfire, il y a 3 navires détruits. C'est un peu tôt là pour la destruction des navires. Aurora, il faut le trouver de détruire. A-t-il réussi à faire quelque chose? Oui, un simi. Oh, joli! Très très joli, il faut le finir là maintenant. Il va réparer, mais il faut le finir. L'autre destroyer là-bas. Le Blaster là-bas qui vient pour essayer d'avoir le. Oula, ils arrivent en force là. Et là, par contre, ça peut être très dangereux.
voyez, un générateur qui a déjà été commencé à être détruit. Moi j'adorais jouer l'Aurora sur ce, l'Aurora ou le Galaxy en attaque, c'est super parce que quand vous attaquez en masse, en pack comme ça, quand vous avez l'Aurora ou le Galaxy, vous frappez très rapidement et très fort les générateurs. Alors, les générateurs, eux, se réparent aussi. Donc, un générateur A, je sais pas où il est celui-là, il doit être derrière, se fait allumer. Mais par qui? Comment? Ah oui! Par le croiseur qui est en F4. Générateur A se fait allumer. Voilà, là-bas. À 8 km. Ouais, c'est logique. Le générateur est juste là. Donc il est en train de l'allumer, c'est normal. Par contre, il va se faire allumer lui aussi. Voilà. Un générateur régénère aussi. Point de structure. Bon, par contre, un générateur va y aller. Va y passer, je suis pas sûr, mais. Grande chance quand même. Je sais pas trop non s'il arrive à détruire le destroyer avant. Bah, par exemple là maintenant, voilà. C'était bien pensé mais il aurait dû continuer à bouger en fait. Vous voyez les il y a un destroyer qui est en train de détruire le générateur A je pense, ouais. Regardez, le générateur A descend. Ah, il y a Zaya de Celticos qui a dit attention, il est là, détruisez-le! Donc les ennemis ont régénéré, ils arrivent. Ah, il a eu le Fire, bravo! Et il a sauvé son générateur. Le générateur aurait dû être détruit, mais ah, bah d'ailleurs, non, c'est bon. Terminé. Là, les ennemis ils ont été mal coordonnés, je pense, à mon avis. Ah, le Aurora est en train de détruire le générateur A. Donc, je pense que c'est fini pour le générateur A. L'Aurora va retirer à nouveau derrière. Attention, voilà. Kaboom. Non, même pas. Il n'a pas réussi à l'avoir. S'il n'arrive peut-être pas à avoir le centre exact, il frappe en hauteur en fait. Attention, ça refrappe. Bon, bah, boum là, voilà. L'attaque des attaquants ont plus de 1,5 minutes, donc ils ont que 10 minutes les attaquants pour finir le. Pour au moins avoir un générateur. À chaque générateur détruit, ils ont plus de 1 minute et demie en plus. Pour avoir les autres générateurs. Donc une fois qu'ils ont fini les 4 générateurs, bah, ils s'attaquent à la base, ils ont 1 minute et demie de plus. Voilà, ils arrivent à nouveau, donc tous les ennemis sont vivants de toute façon, puisqu'ils ont pas le. Ils ont le droit. Alors je sais pas combien de navires on peut réussir à détruire. Oula. Comme ça. Norman et Magellan et lui ils vont recevoir encore un câlin. Bon bah là c'est boum kaboum. C'est Norman qui l'a eu d'Emeric. Et il y a aussi le Blue Aster qui va sortir. Alors bien sûr plus les ennemis sont plus nombreux en fait au fur et à mesure puisqu'il y a moins en moins de défenseurs, mais là bon ils ont réussi à avoir une bonne défense. Donc là il reste qu'une minute 7 en fait pour les ennemis pour détruire au moins un générateur. Je pense pas qu'ils réussiront, je pense que la bataille est gagnée là. La bataille est gagnée je pense assez rapidement. 172 000 points de dégâts, 173 000. Ouais c'est vraiment il a fait vraiment la batterie de défense. Il a fait vraiment la batterie de défense mobile un petit peu entre deux îles quoi. Et c'est un Norma qui est en train de tirer dessus je pense. C'est ça. Un Norma a aussi des torpilles. Là ils sont un peu paniqués, ils ont plus que 20 secondes pour gagner la bataille. Donc c'est pour vous montrer un petit peu comment ça marchait l'attaque défense, c'était assez amusant. Et moi personnellement j'aimerais bien qu'ils fassent. Pour les batailles normales, aussi des trucs un peu comme ça, un peu irréaliste, mais le jeu est déjà irréaliste, alors pourquoi pas. Hein. Touché, mais il avait arrêté le. Attention, on torpille. Donc c'est bon, normalement c'est fini pour l'ennemi. Ah non, ils ont 1 minute 5 en plus, donc ouais. Ils ont donc encore 1 minute 30, je pense. Il y a des générateurs qui sont en train de souffrir. Il prend des dégâts, pas trop non plus. Bon par contre là le normal... Le Norheinmal. Oh! Bonjour Gaïdé! Enfin bonjour petit petit destroyer. Wow. Oh il torpille arrive à toute vitesse. Et on prend que 2, 3.
Combien? Allez, combien? On a pris 3, je pense, 2, je pense. Il a plus de réparation. Dommage, 24 secondes sans réparation, il est obligé de lancer son... Ce serait pas mal de lancer maintenant. Bah voilà, bravo, superbe. Allez, lance ta réparation. Lance ta réparation de coq, allez, régénère. Régénère. Ah bah c'est bon, il a lancé. Ah, ouf, ça fait peur, mais ça vient de là. Il reste plus que 4, 5 navires dans l'équipe ami. Un des générateurs est en train de souffrir, pas trop, non, ça va. Ils ont réussi à arrêter les tirs. Par contre, les ennemis vont se concentrer sur lui. Il reste plus que 20 secondes, 15 secondes en fait, avant la fin de la bataille, je pense. Quand on réussit une attaque, c'est vraiment sympa hein, quand même hein, aussi. On y va voir au niveau de la station spatiale qui explose. 18 000, ouh, 22 000 points de dégâts. Il arrive 228 000, bravo. 4 navires détruits. Oh, aïe, ça fait mal ça. Mais c'est bien, c'est qu'il régénère un peu quand même. Il régénère quand même dans... Ouh, 600... non. 500 points par seconde, il régénère. Excellent. La tournée... Non, là, je pense que c'est bientôt la fin. Je pense qu'il y a encore 10 secondes et c'est terminé après. Donc, joli, en tout cas. Belle bataille avec 236 000 points de dégâts. Hein. Bravo. Donc, vous voyez, donc, la base qui est en F2, G2, E2 a été sauvée, je pense, là. Quoique, ça continue apparemment. Ça continue, hein. Mais là, ils sont trop... Il s'est passé trop longtemps, en fait, je pense. Je pense, hein, je sais pas. À voir. Mais là, ils continuent à faire du bon boulot, hein. Et ils récupèrent pas mal de points de structure, 1000 points de structure tous les 2 secondes. Ils ont intérêt à lui faire plus mal, hein. Non! Explosion de dépôt sur le destroyer. Non, j'y crois pas. Bravo, superbe. Enfin, mais faut pas être qu'il aille dans cette direction parce que c'est là où vont les... Ah non, il y avait des radars. Je pensais pas qu'il y avait des radars, mais il y a des radars. Donc je pense... Là, franchement, je... Pas qu'il aille trop dans cette direction parce que le... Les navires... Enfin, ils respawnent en fait. Enfin, ils réapparaissent un peu vers le nord là-haut. Hein, torpille. Bah, il devrait déjà être. Pourquoi il tire plus, Torma? Une seule torpille qui touche, deux torpilles. Ah bon, bah, boum, explosion. Bon, bah, je pense qu'ils ont gagné, à mon avis, là, mais. C'est 15 minutes ou 10 minutes? 343 000 points de dégâts. Ah, par contre, là, l'explosion de dépôt, là, je veux pas dire, mais bon. Allez, mission, on passe à quelque chose. Victoire, attaque repoussée, ouais, c'est ça. C'est bon. Voilà. Parfait, bravo. Et donc, ça donne le ton de fin de ces batailles spatiales. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et bien, écoutez, amusez-vous bien sur World of Warships, petit capitaine et grands amiraux. Ciao.
Nani ?